Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, ça va être un vlog. Je vous emmène avec moi durant cette journée, enfin cet après-midi, on va dire plutôt. J'ai une amie qui vient aux écuries. Elle emmène son cheval et comme ça, on va pouvoir aller faire une balade ensemble. Donc, ça va être super sympa. Allez, c'est parti, je vais me préparer et c'est. Loupé. Allez, c'est parti, je vais me préparer et puis je vous embarque. Non mais c'est tout. Genre on dirait le roi lion quoi. Voilà, j'ai pas de problème capillaire, hein, ça c'est sûr. Du coup, on va retrouver Nadège aux écuries, donc ma copine Nadège, qui est en fait plus qu'une copine à moi, puisqu'elle fait partie de ma famille. C'est la femme du fils du mari de ma mère. Je vous ai perdu ou c'est bon? Voilà, du coup, là, je me prépare, faut encore que je sorte les chiens. Bon, je vais filmer avec mon téléphone parce que la GoPro, ça m'a gonflé. Ça fait plusieurs fois que j'ai des soucis. Entre guillemets, avec, et sauf que franchement, je perds plus de temps qu'autre chose à monter mes vidéos en les filmant avec la GoPro, donc ça me saoule. Surtout qu'il y a plusieurs vidéos où clairement il n'y avait pas de son, donc en fait, j'ai tourné des scènes et je me suis rendu compte après qu'il n'y avait plus le son, ce qui était un peu étrange. Donc j'emmène quand même, mais pour la mettre sur le harnais, du coup, pour filmer des plans quand on sera en extérieur. C'est le truc de fixation et bah, ça c'est une batterie portable. C'est toujours utile quand tu filmes avec ton téléphone. Éviter de tomber en rade. Bon, qu'on se le dise, il fait clairement pas un temps de ouf. Après il fait pas froid. Donc voilà, quand même partir en balade, hein, mais ouais c'est pas la folie quoi. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir quoi. Normalement c'est pas prévu mais. C'est la météo en ce moment, tu sais jamais quoi. Ça change toutes les heures. Je vous montre le petit outfit noir. Ouh là là, la glace est pas très propre, désolé. Et le pantalon Cavalleria beige. Ah, je suis dégoûtée. Bah ça se voit peut-être pas, mais il pleut. Enfin, il pleut fort. Bon allez, je me casse. Rendez-vous aux écuries. Les giboulées de Mars. Tu connais? Ah bah voilà, on est ravis. Bon bah on n'est plus du tout sur une crinière de royon. Hein. On est sur du Royal Caniche en prévision là. Voilà. Ça a l'air de se calmer. Je pense que c'est bien des giboulées. Enfin il va y avoir des averses quoi. À voir, de toute façon on va quand même aller se balader. On a super bien choisi notre dimanche, c'est génial. Mais et puis bah c'est pas grave, hein, la pluie ça mouille et puis on n'est pas en sucre. Hein. Donc voilà, il est midi 10, je viens d'arriver aux écuries et j'ai regardé l'application météo. Il est censé ne plus pleuvoir vers 14h. Comment vous dire que le doute m'habite? Oui. Ben, on verra bien, pour l'instant il pleut encore. Mais c'est moins pire que quand je suis partie de chez moi. Donc on va croiser les doigts, bien voir. Et je viens d'avoir un message du coup de Nadège qui arrive à 13h. Donc ben, en fait je pensais être en retard mais je suis un petit peu en avance, pour une fois. Et voilà, du coup je vais lui mettre du no paddock mais ça va être trempé, ça va glisser. Je sais pas si c'est une bonne idée. Tu ne serais pas assise dans la boue? Ouais, bah vas-y, rince-toi. Allez, roule-toi. Sèche-toi. Bon, on va aller voir. Ah, bah t'es là. Coucou. Attends. Mais il pleut plus, alors peut-être que je vais te mettre au paddock. Enfin, je sais pas si c'est une bonne idée, mais oh là là, mon Dieu. Oh non, c'est pas sympa ça. T'es toute belle. Ah oh bah oui, quand on voit pas la tâche, t'es belle.
Bon, vu qu'il pleut plus, je vais tenter de la mettre au paddock. Ah mais attends, on va peut-être quand même mettre, prendre des précautions et mettre une couverture. Voilà, c'est nettement mieux comme ça, au moins pas de risque. Vu qu'il y a de fortes chances que mademoiselle se roule, j'ai pris le lit col pourri d'ailleurs, vu qu'il va traîner devant le paddock. Allez, go! Hop, hop. Et ben voilà, le bordel. Sale gosse. Il y a du jus du net. Je te préviens. Tu risques de te prendre une châtaigne. Ah bah oui. On va pas faire l'imbécile là. Ça glisse. Elle est débilos. Évidemment. Doucement. Doucement. Oula. Ça va qu'elle a une petite foulée, hein. Ah, ça y est, le dragon. Le dragon est sorti. Et tu te calmes. J'ai peur. Il y a un copain qui arrive. Elle va faire l'andouille. Eh, hey, tu te calmes un peu. Eh, hey, bretille. Alors, il est pas folle. Hein? T'en t'approches pas trop, il y a du jus, ma poupée. Alors, ma bretille. N'aie pas peur. Ouais, ouais, je sais, j'ai peur de prendre une châtaigne. Alléluia, elle est enfin là. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais. Ah bah, si tu la vends, tu me dis parce que moi je te la prends. Ça y est, le gros gisement est descendu. Coucou toi, ça va? T'es tout beau. Tu préfères le mettre au paddock ou? Ouais, bah tiens, viens, on va le mettre dans le box de Dunette. Vas-y, snow, pousse-toi. On a changé de format. Ouais, putain, tu m'étonnes. Franchement, il est immense. Enfin, ça me fait trop bizarre. Vas-y, éclate-toi. Désolé, le box est sale, mais oh non, la femme de ménage n'est pas passée. Bon, bah, voilà, ça y est. Le poney est installé dans le box. Et on va aller manger, parce qu'il fait faim. Hein. Et les deux blondes se sont retrouvées. Voilà. La pauvre, elle s'est retrouvée dans les bouchons et du coup, en fait, elle a eu une heure de retard. Voilà. Mais pour le coup, regardez, il y a du soleil, il fait beau, il pleut plus. Franchement, c'est un signe. On va monter sous le soleil, c'est cool. Ouais, ça va être sympa. Ouais. Le petit rendez-vous du dimanche, le sandwich au poulet. Mais j'ai trop faim. C'est l'heure de manger. Allez. Bon appétit. Attends, je vais filmer ce moment parce que... Donc, tu sais que dimanche, mon épreuve, la reco est à 8h. Oui. Ok. T'es au courant que dans la nuit de samedi à dimanche, on change d'heure, on perd une heure. Est-ce que t'as encore plus envie de me tuer ou pas? Parce que tu sais que samedi soir, j'ai une soirée à Fontainebleau. Oh bah... T'es vu depuis le 1er janvier. Ah merde, dommage. Bon bah il repleut. On vient de finir de manger. Je pense pas que ça va durer. Aller chercher du net et on va préparer tranquillement pour aller en balade. Allez-y. Bah, l'avantage c'est que... ah bah non. Putain. Mais au secours. Qu'est-ce que t'as fait? Tête ou caca? Ah, je suis ravie, ouais. Miam miam. Je vois rien. Allez, on va aller brosser tout ça.
Eh ben, j'ai une très mauvaise nouvelle. C'est que Dune a déféré au paddock. Donc j'ai retrouvé le père. Mais du coup, c'est mort pour la baleine. Bon, bah voilà, hein. C'est une bonne journée de merde, comme on dit, hein. Voilà, la poisse, hein, j'adore. Je suis ravie. J'ai une mauvaise nouvelle. Ah, elle a déféré. Oh merde, on va pouvoir partir. Non. Merde. Toute la route. Ah putain, je suis dégoûtée. Bah, de toute façon, c'est les aléas. Tu vois, du début à la fin de la journée, en fait. La journée de merde, du début jusqu'à la fin. Bah après, tu peux... Ouais, ou soit je vous accompagne, on fait un tour à pied. De toute façon, cette journée commençait pas bien. Une journée de merde, voilà. Une journée vraiment de merde. Et voilà, comme tu dis, la prochaine fois, on ira à la plage et puis c'est tout. Voilà, hein, c'est ça. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de risque. Même si ça passera vite. C'est ça. En attendant, on va laisser les huiles et puis... Et ben voilà, on va préparer le grangissement. Et puis ben... Tu vas remonter à trotteur, ça va te faire bon. Voilà, Nad, elle va me le prêter. Ouais, du coup, changement de programme. Je vais monter la grosse bête, le grangissement en carrière. Et puis, ben voilà. Hein. Voilà. Mais ouais, ça va me faire bizarre. Il y a des pistes de gros bois pas très loin. Allez, on va aller faire une petite course de 30. T'as le cheval. Hein. C'est vrai. Bon, en attendant que Nadège finisse de préparer Gismonde, moi je vais nettoyer un peu Dune. Et il va falloir enlever la couette. Et je crois que... Oh là là. Il y en a jusque là, quoi. T'es sérieuse? Cochonou. Ça va, c'est sec, donc ça part très bien. Juste avoir de la poussière là partout, mais... C'est bon, la poussière? Bon, bah voilà. Une godasse en moins. Mais... Elle est propre. Bon, j'ai fait un bon pansage. Et maintenant, je vais aller monter. Dune vs Gismonde. C'est des câlins. Oh. Attends, en plus, son copain. Ah bah oui, bah voilà. Gismonde des frais, moi aussi. On va y aller, il fait des câlins. Ah bah là, c'est des câlins. Je commence à lui faire des câlins, ça va prendre la panique. J'ai mis 3 minutes à prendre. C'est un beau ça. Ouais, bah c'est le cheval de Nadège. Allez, en carrière. Hey. J'ai pris mon couvreur. C'est propre. Je connais pas, tu vois, celui-là, tu risques de bouger un petit peu. Ouais. Il est immense, les gars. La taille de ses pattes. Allez, c'est à mon tour. Ça y est. Allez mon grand. Je vais grimper là-haut. Je suis sur le toit du monde. Je vois la tour Eiffel. Allez. Oui, et puis alors lui, tu passes les mousses, tout ça, il s'en fout, hein. Alors, on est comment là-haut? Super gros, quoi.
Eh, t'as vu un peu? Ouais. Il veut plus trotter maintenant, il veut que galoper. Il saute son départ. Ouais, il prend pas le départ. C'est très surprenant comment il prend son départ au galop. Tiens, regarde, tu vois? C'est sûr que ça te change de dune, non? Un endroit. Je suis la pro du gratte-gratte. Dans une autre vie, je n'ai pas tendance. En fait. C'est ça. C'est ça. Oh, bah là, t'en as pour l'après-midi si tu continues. Là, tu fais grosse taille. T'es trop petite, Aurore. Je suis minuscule. Oh, ça va, et franchement sur la vidéo ça fait pas ça si fait petit. Pas non, ça fait pas trop ridicule, bon, ça va. Pas trop il y a Dune qui est à la fenêtre. Doudou. Bon bah du coup maintenant on va aller dehors vu qu'il pleut plus. Et je vais monter authentique. Bah qui fait aussi 1m80. Donc aujourd'hui c'est la journée des grands chevaux quoi. On va faire que. Merde. Je suis handicapée moi. Bah ouais, écoute, j'ai jamais monté. Ouais. T'es haut? Ouais, mais j'avais le même avant. Plus l'habitude, hein. Il a plu ou quoi pour que vous soyez tous en... Mais meuf, pire que... Pardon, tu viens de te lever ou quoi? Bah, excusez-moi, j'habite à Versailles. A priori, il y a un écoute-climat à Versailles. Excuse-moi. La meuf dit, il a plu ou quoi? Excuse-moi, quoi, hein. Chez les riches, il pleut pas, c'est ça? Ouais. Allez, on va faire une petite balade. Hop. J'ai changé de gabarit encore. Mais on va aller faire un tour dehors quand même. C'est parti. On sort des écuries et on va aller faire du coup là, une petite balade. On va faire moins long que ce qui était prévu de base, mais... mais au moins, voilà, j'aurais montré à Nadège ce qui était prévu, c'est-à-dire l'extérieur et la forêt de, qui est à côté de Roseval. Du coup, en fait, bah, là maintenant, ça y est, ça va. Mais tu vois, des fois, enfin souvent, quand on fait le petit tour, on fait demi-tour ici. Sur ce chemin là et du coup ben, elle ne veut plus aller plus loin. Allez authentique. Et ça y est maintenant j'arrive à nouveau à aller plus loin. Mais pendant un an j'ai pas réussi à aller au-delà de ce chemin. Hein. Tant mieux. Allez. Ah oui avec le pont. Allez. Voilà. Très bien authentique. Et là maintenant ouais, j'arrive à aller jusque là, mais voilà, dès qu'il y a une possibilité de tourner, elle tourne pas. Demi-tour. Remarque, t'arrives à sortir. Ah, j'arrive à sortir, j'arrive à aller jusqu'ici, tu vois. Parce qu'elle a compris qu'elle allait brouter. Tout seul, tu sors pas. Ah ouais non. Non, tu dis comme ça. T'as vu comme il est gentil. Tu peux aller.
Bah apparemment celui authentique là sur qui je suis, pareil, il sort pas tout seul. Bon, j'espère qu'on va pas faire ventouse ici non plus. Ah bah c'est bien ce qu'on veut quoi. S'il avait fait sec et que d'une n'avait pas été défait, on aurait été en haut et puis on aurait fait le tour par là-haut et on revient par les champs là. Ça c'est sympa. C'est bien floc floc par terre. Au milieu des champs. En tout cas, un champ où on peut galoper là-haut. Bah ouais, mais après quand ils sont ça, si tu veux brouter, hop. Ah oui, mais quand je connais la route, je sais venir, c'est bon. C'est ça. Tu fais doucement, authentique. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais. Petite session brouting, même le chien broute. Même pas. Eh ben, non. On est bien là. Ouais. Grave. Oh putain. Oh. Merde, Melba, elle est dans le ruisseau. Melba. Non, c'est bon. Putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a eu un chien et je pense que Authentique a eu peur. Elle ah non, parce qu'il y a le cheval là-haut. Ouais, je pense. En plus, je m'y attendais pas du tout. J'ai perdu un étrier, j'ai failli. Hey, là, y a rien. J'ai cru que j'allais aller haut. Hein. Melba a eu tellement peur qu'elle est tombée dans le ruisseau. Non, mais enfin, je rigole, mais une fois, elle est déjà restée coincée en fait dans ce ruisseau. Donc, le problème, c'est que s'il faut que je descende là. Descendre de dune, c'est pas trop un... et remonter, c'est pas trop un problème. Lui, je remonte pas. Retour aux écuries. Après une petite frayeur dans le champ. Je vous l'ai mis en GoPro. Ah, punaise. Mais ça va, tout va bien. C'est juste, failli me péter la gueule. Mais ça va. Ah, c'était sympa cette petite balade. Et puis, maintenant, il fait beau. Donc, on en a quand même bien profité. Allez, authentique. Bah ouais, j'ai juste failli me péter la gueule, mais ça va. C'est bien mon titi. Oui, il faut surprendre des fois. Bon, je pensais pas qu'il aurait fait ça, parce que généralement ça fait. Merci Authentique pour ce petit tour. Bah oui. En fait, t'avais l'impression d'être Pauline. Ouais, exactement. Merci Virginie de m'avoir pété ton grand poney. Et justement, prépare à repartir dans son carrosse. Et ma doudou, alors? Attends, va t'ouvrir ta fenêtre. Voilà. Coucou, petit cœur. Et tout propre. Petite dinette. Avec sa groumette, Mila. Oh, elle est chou. Elle est gentille. Ah, j'ai ce monde, elle est jaloux. Doucement. Voilà, fais des bisous. Bah oui. Mais elle le cherche, hein. Mais c'est une coquine. Bon, bah, retour. Il est temps de rentrer. C'est déjà la fin. Vivement la prochaine fois. Mais oui. Mais oui, et la prochaine fois, ça sera avec Dune. Et à la plage. Et à la plage. Et avec le soleil aussi. Oui, c'est mieux. Écoute, on a eu de la chance quand même. Oui, non, c'est vrai. Franchement, on arrive en retard. Hein. Oui, au final, voilà. T'as bien fait de tomber dans les bouchons. T'as bien fait de. Voilà. C'était une bonne journée, hein.
Bah tu t'en sors. Quel est la version chariot? Toi aussi t'as perdu une roue? Ouais. Vraiment une journée de merde. À la totale. On aura tout fait. On a tout eu aujourd'hui. Non mais laisse tomber. Tu vis des galants. Voilà, si tu lui donnes tes choix, ça va. La bête est chargée. C'est l'heure de rentrer. Ah, il est au top là. Tranquille. Bon, sinon, tu repars avec Nadège? Normal, j'ai été dans le vent. Dans le camion. Oui. À bientôt. À bientôt. Merci d'être venue. Bah, c'est moi. Allez, en route, Simone. Bien joué. Bye bye. Oh, c'est trop bien. Et voilà, c'est sur ça que se termine cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que malgré ce petit imprévu, ça vous a fait kiffer quand même. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.